Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Rétro info de la semaine, comme chaque samedi. Nous allons donc traiter de trois sujets. Les harragas et le front social en effervescence, en ébullition. Puis, de façon plus étendue, plus importante, excusez-moi. Le front social et les médecins résidents, nous allons parler assez sommairement. Puis, nous parlerons plus avant des harragas, qui est un sujet vraiment tragique et qui interpelle beaucoup de gens. Et donc, pour en parler avec moi, le docteur Yassine Mahibey, qui sera avec moi sur le plateau dans un petit moment. Docteur Amira Bouraoui, médecin et militante pour la démocratie, qui sera avec nous au téléphone. Docteur Lakhdar Amqaran, médecin, premier secrétaire de Gil Jadid, au téléphone aussi. Merci donc à mes trois invités d'être avec nous. Et nous allons commencer avec docteur Amira Bouraoui. Bonsoir. Bonsoir, Amira, merci d'être avec nous. Alors, merci à vous. Je vais vous donner la parole dans un petit moment. Nous allons lancer les titres d'abord. Aujourd'hui, liberté. Leur grève déclarée illégale. Les négociations à point mort. Médecins résidents. C'est l'impasse. Par Hanafi H. Al-Watan. Harraga. Que faire face au drame? Par Lakhdar Haghani. Algérie Info Monde. Front social. La contestation gagne du terrain. Par la rédaction. Amira Bouraoui, nous allons donc commencer par le front social des mouvements sociaux qui s'expriment un peu partout en même temps. Depuis 2018, depuis le début de cette nouvelle année, nous ne faisons donc qu'assister à des grèves, des manifestations de médecins résidents, d'enseignants, d'étudiants à l'école normale supérieure de Constantine, du corps paramédical et d'autres catégories socio-professionnelles qui annoncent vouloir entrer dans le bain et qui tous, comment dirais-je, font que le climat social du moment est réellement explosif, j'allais dire. Amira Bouraoui. Oui, tout à fait. C'est une crise avant tout, bien sûr, on ne le répétera jamais assez, une crise politique. Et là où on a une crise politique, eh bien, ça se répercute sur la société, donc des mouvements sociaux. Tout le monde est là en train de manifester la crise que vit chaque secteur. Et en face, on a toujours de l'autisme, c'est-à-dire au lieu d'inviter les différents partis pour en discuter, pour régler les problèmes secteur par secteur, on s'empresse d'activer la machine judiciaire. On se met à juger les syndicats, à faire des retraits sur salaire. Toujours, c'est la menace au lieu de rentrer en discussion. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'assister à un pays où il n'y a plus d'hommes politiques. Parce que justement, il n'y a pas de pilote dans l'avion, il n'y a pas de visibilité, on navigue à vue. Mais pourquoi ce régime a-t-il plutôt opté pour une sorte de dissuasion judiciaire, de menaces en toutes sortes, mais aussi de déformation à travers certains titres de presse qui font tout pour, j'allais dire, décrédibiliser ces mouvements sociaux? Pourquoi tout ça, au lieu tout simplement d'aller vers une sorte de négociation pour essayer de, comme vous venez de le dire, de négocier point par point, formation par formation, corps par corps? Je pense que c'est un mélange d'incompétence avec, vous savez, un gouvernement, il est censé avoir un chef d'orchestre. On voit bien qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. Donc, comme c'est un régime purement présidentiel où d'habitude c'est Abdelaziz Bouteflika qui a décidé que, et ça sera comme ça et pas autrement. Donc, les ministres, déjà, ils ne sont pas habitués à prendre des décisions par eux-mêmes, à prendre le taureau par les cornes et à régler les problèmes, c'est-à-dire secteur par secteur.
Donc, ils attendent qu'on leur dicte la solution. Celui qui dicte n'est pas là. Donc c'est la crise. On est dans l'impasse dans toutes les institutions. Yassine Mahibey, merci d'être avec nous. Merci à vous. Et bonsoir. Bonsoir. À tous les spectateurs. Merci. Alors, justement, cette histoire, ce front social en ébullition, en effervescence, et on dirait, comme vient de le dire Amira Bouraoui, qu'il n'y a personne en face, que tout le monde se débine, que les gens ont peur de prendre des responsabilités, d'aller au-devant de ceux qui revendiquent, d'essayer de prendre langue avec eux. On dirait que le seul langage qu'ils ont compris, c'est de les dissuader d'aller plus avant par le biais de la justice, hein, qu'on a interpellé pour les déclarer, pour déclarer ces grèves illégales, ou alors par une sorte de menace, ou alors par une sorte, encore pire, de diffamation. On a diffamé les médecins résidents qui ne veulent pas aller travailler au Sud. On est en train de diffamer les harragas qui ne seraient que des repris de justice. Pourquoi cette forme de réponse du régime? Est-ce parce qu'il y a vacance du pouvoir ou est-ce que parce qu'il y a impossibilité de prendre ces problèmes à bras-le-corps? Parce que, tout simplement, il n'y a pas un véritable chef qui soit bon ou mauvais. Vous abondez dans le sens d'Amira Bouraoui. Hein, moi, je pars dans le sens d'Amira Bouraoui et dans le sens où, de toute personne qui croit, qui est convaincue qu'il y a une vacance du pouvoir, il n'y a pas de chef, qu'il soit bon ou mauvais, dans une société simple, non pas aller dans un État, mais on a besoin d'un chef qui discute avec ses salariés, par exemple, qui apaise les choses. Et dans un pays, on a besoin d'un président. Il se trouve que M. Bouteflika, dans le temps, il avait toutes ses capacités physiques, il n'arrêtait pas de faire des discours, il parlait au peuple algérien, il ne s'arrêtait pas de voyager. Le peuple entendait tous les soirs M. Bouteflika qui parlait. Depuis 6 ans, avec la maladie, le chef de l'État est absent. Le chef de l'État est absent, donc il n'y a ni discours officiel, il n'y a ni conférence de presse, il n'y a ni apaisement. Face à ça, l'État est en faillite économique, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il n'y a pas de quoi répondre aux revendications. Il n'y a pas de quoi répondre aux revendications. Et on a chargé des responsables, comme l'actuel Premier ministre, qui est connu comme l'homme des sales besognes, à faire vraiment avoir cette mission et d'aller dans la confrontation. Donc nous n'avons pas de chef, donc le régime vraiment pour moi est à l'agonie. Il n'y a pas de... Je viens d'apprendre, je ne sais pas si vous avez entendu, que visiblement M. Macron a annulé sa visite à Alger qui était prévue en février. C'est ce qui est en train de circuler. Et en même temps, on vient d'apprendre que Wilde Abbas vient d'interdire de parler du cinquième mandat. De façon, il a dit « men and betten ». Oui, mais il peut dire ce qu'il veut. Non, ça veut dire que ça va dans le sens de la rumeur qui est en train de dire que les chefs de l'armée ne seraient pas d'accord avec un cinquième mandat. Je ne sais pas, peut-être, mais Jamal Wilde Abbas n'est qu'un responsable d'un parti politique. Oui, mais il est une sorte de porte-parole officieux d'un certain clan. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a vraiment un malaise en Algérie. Oui. Vous parlez des harragas. Les harragas, pour moi, c'est une expression d'une véritable dépression. Quand même, les gens sont déprimés, sont dans le désarroi. On va y arriver. Ces grèves partout. Et puis face à ça, comme je vous ai dit, on va mettre Monsieur Ouyahia qui va non pas apaiser les choses, mais qui va aller dans la confrontation, dans dire mais. De toute façon, vous êtes des bons à rien. C'est nous qui... Nous savons tout. Vous savez rien du tout. Hier, c'était les médecins, la compagnie Air Algérie, les retraités de l'armée, les enseignants, demain, je sais qui. Donc, on voit bien qu'il y a un malaise. Oui. Parce que, tout simplement, je crois qu'il y a une vacance du pouvoir. Nous n'avons pas un chef d'État. Il est là. Il fait de la... Même pas de la figuration. Je ne sais pas. C'est malheureux de le dire parce qu'il faut quand même qu'on soit respectueux envers une personne. Bien sûr qu'on souhaite un prompt rétablissement à M. Bouteflika Abdelaziz en tant que personne. Mais la fonction est importante. Oui. Et on voit bien que la fonction de chef d'État, en tout cas pour moi, n'existe pas. Celui qui croit... Alors, bien sûr, c'est des gens qui veulent nous entraîner dans un délire, comme on appelle un délire vraiment systématisé, en disant que le président a dit, le président a fait, le président, il est là, le président, il faut être vraiment
atteint d'une schizophrénie, d'une espèce d'un autisme pour croire à tout ça. Monsieur Bouteflika, il est très malade, il est très fatigué, et on voit bien que le peuple algérien, il a besoin d'entendre ce chef de l'État. Il a besoin d'entendre. Mais il n'y a rien du tout, il y a une vacance de pouvoir. Et la Constitution lui fait obligation de s'adresser à la nation, oui, directement, façons, directement. Bien sûr, mais de toutes les façons, lui-même, c'est lui. Moi, je répète toujours aux Algériens, lui qui parlait durant les deux premiers mandats, je ne veux pas de Constitution taillée sur mesure. Il en a fait pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Il est parti au troisième mandat. Il n'a pas respecté cette Constitution. Enfin, il a changé les choses. Oui. Et voilà le résultat aujourd'hui où on en est. Alors, l'Akhdar Amqran, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, très bien, vous êtes avec nous donc en Skype. Vous êtes trois médecins aujourd'hui. Hein. Alors, oui. Nous allons d'abord parler de ce front social, du climat social, j'allais dire du malaise social. Le front social est vraiment en ébullition. Beaucoup de grèves, beaucoup de manifestations depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que représentant d'un parti politique qui est vraiment dans l'opposition? Ça démontre encore une fois que les échecs répétés de gouvernance d'un pays témoignent de l'impossibilité de gérer, de gouverner le pays sans légitimité et particulièrement en temps de crise. Vous savez, en Algérie, on a été habitué à l'ère Bouteflika, à des milliers de manifestations, et donc pour nous, ce n'est que la résultante d'une non-gouvernance qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation de désordre généralisé qui a été à chaque fois dit dans nos discours au niveau de Djib Jadid. Donc ce malaise social n'est que l'expression d'une non-gouvernance, d'une absence de gouvernance, pour le dire franchement, d'une vacance de pouvoir. L'Akhdar Abqaran, on ne vous entend pas très bien, donc je vais demander à la régie de vous reprendre, de vous laisser en Skype et de vous prendre en même temps au téléphone pour qu'on puisse vous entendre mieux que ça. Emira Borawi, nous allons essayer d'aller un peu vite pour pouvoir aborder les autres sujets. Devant un tel marasme, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà que la déclaration de Ould Abbas vient de tomber, où ce monsieur qui parlait de voter pour le président, même mort, même dans son tombeau, Hayyin Ammeyitin, voilà qu'il vient d'interdire à ses militants, a-t-il dit, une interdiction formelle et définitive de parler du cinquième mandat. Et il dit même, s'il y a quelqu'un qui doit parler du cinquième mandat, c'est le président lui-même. Sachant, il sait très bien que le président ne parle pas. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire qu'il n'y aura pas cinquième mandat, ce qui fait, donc, ce qui apporte un peu de l'eau au moulin de la rumeur qui circule en ce moment, que les principaux chefs de l'armée auraient dit niet au cinquième mandat. Emira Borawi. Sincèrement, moi, je n'y crois pas du tout au niet. C'est-à-dire, je pense que c'est davantage une tactique politicienne médiocre, parce que M. Ould Abbès, en parlant aujourd'hui d'un cinquième mandat avec un front social en ébullition, c'est-à-dire qu'on jette de l'essence sur du feu. Donc on essaye de calmer les esprits en disant on n'en parle pas. Moi, j'y crois pas, M. Benchenouf, parce que je me rappelle qu'en 2014, quand nous sommes sortis, avant même la naissance du mouvement Barakat qui s'est opposé au quatrième mandat, etc., un 22 février 2014, pour dire non à un quatrième mandat qui n'avait été même pas encore annoncé, tous les Algériens ont été pris à contre-pied. La majorité et l'opinion, après la déclaration de Pape Jenani, ils étaient complètement en train d'attendre une présidentielle sans la présence de M. Abdelaziz Bouteflika.
Je vous rappelle qu'on était une poignée de militants parce qu'il fallait dire non, parce qu'on le voyait venir. Et en politique, c'est aussi de l'anticipation. C'est le 22 février, peut-être une semaine avant, il y avait une déclaration du FLN qui parlait du Mujahed Bouteflika. Donc, ça commençait à s'éclaircir. On était arrêtés au commissariat de Bouzreha, parce qu'après avoir fait le sit-in devant la première faculté à la fac de Bouzreha, avant de faire par la suite la fac centrale, parce que le projet, c'était de faire les différentes facultés pour s'adresser aux étudiants, parce que c'est eux la conscience politique de demain. On était dans le commissariat quand M. Sellel, à l'époque, a annoncé à Oran, ça c'est l'histoire, nous étions au commissariat quand il a annoncé Tarashoh Abdelaziz Bouteflika, et par la suite, l'histoire, tout le monde la connaît, la campagne présidentielle qui a été faite avec une photo, c'est-à-dire nous, à l'époque, quand nous nous sommes opposés en tant que militants contre le quatrième mandat, alors que le baril de pétrole était à plus de 100 dollars. Il y avait une arrogance inouïe de ce régime-là. Et on dénonçait sur la base d'expertise économique qu'on ne peut pas construire la stabilité d'une nation sur la base du prix d'un baril de pétrole. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que maintenant les caisses se sont vidées, il est clair qu'il ne peut pas y avoir l'arrogance de 2014, c'est-à-dire voter les hayy ou la miyit. D'autant plus que, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas acheter le monde qui avait l'habitude d'applaudir pour ses forfaitures. Et d'un autre côté, on a un front social qui est en train de chauffer. Lui parler aujourd'hui du cinquième mandat, c'est aller vers l'explosion. Et restez avec nous, Amir Abouraoui. Restez avec nous. Je me permets de vous interrompre parce que nous devons aller un peu vite. Yassine Mahibey, au sujet de cette histoire, de la rumeur du cinquième mandat, de cette rumeur de Macron qui ne viendrait pas, de cette rumeur des chefs de l'armée qui auraient dit niette un cinquième mandat, de cette sortie de Ould Abbès qui vient de dire interdit formellement de parler du cinquième mandat. On va la voir, cette sortie de Ould Abbès, et je reviens à vous. رابعة الخامسة من عن بيت ما نتكلمش على هذا الخامسة أبدا احنا نعمله بجدية سيريوزما Alors je crois aussi à c'est une manœuvre politicienne. Jamal Ould Abbès est un fin politicien et je le dis bien, je pèse vraiment mes mots, hein. Beaucoup de gens pensent c'est que ça, c'est ça être fin politicien. Ah ben, c'est ça être fin politicien dans un régime pareil. Ouais. Hein, nous, ouais. Attends, il faut ça dépend de le... Mais enfin, oui. Pour moi, c'est un fin politicien dans un régime pareil. C'est moi, j'aurais dit un fin politicard, à la limite. Non, dans un régime pareil où il n'y a jamais eu d'homme politique. Oui. C'est ça ce que je suis en train de dire. L'Algérie n'a jamais eu d'homme politique. D'accord. Donc, si on peut s'entendre au moins sur ça. Oui, oui, oui. Là, l'Algérie, l'Algérie n'a jamais eu d'homme politique. Dans un régime pareil, ce monsieur-là, il fait l'affaire. Il ment, il assume ses mensonges. Il fait des manœuvres politiciennes comme ça. Donc, ce qu'il dit, ça fait partie de ces manœuvres-là. Je ne veux pas entendre parler du cinquième mandat. Pour moi, je suis convaincu que l'armée est loyale à M. Abdelaziz Bouteflika, en premier le chef des armées, que les partis politiques, le FLN, le RND, c'est tous les partis politiques, en tout cas de l'Alliance, les islamistes compris, les organisations patronales, etc., ont fait allégeance totale et une loyauté à M. Bouteflika jusqu'à la fin de sa vie. C'est, pour moi, je suis convaincu. Quel que soit son état. Quel que soit son état, sauf si. Par pure fidélité ou par intérêt ou... Non, c'est par intérêt. Non, c'est par intérêt. Ils se sont mis d'accord. Ils ont trouvé leur compte. Voilà, tout simplement. Et pour eux, en tout cas, la présence de M. Bouteflika est un gage de stabilité, est un garanti pour eux, pour leurs affaires, mais pour la pérennisation. Il n'y a plus d'argent. Ce qui garantissait cette forme de stabilité, de prospérité, de compte en banque à l'étranger qu'on alimentait en flux continu, c'est fini. Non, mais il y a des affaires aussi. Je pense que non, il reste encore du blanchiment d'argent, il reste encore des sociétés qui investissent en Algérie dans le cadre des multinationales, même si ce n'est pas quelque chose comme la France, etc. Et donc, il y a des intérêts.
Mais bon, alors eux, ils s'accaparent, en tout cas, ce qui reste, c'est quand même quelque chose, mais surtout la pérennisation de leur pouvoir, etc. Donc pour eux, M. Bouteflika, en tant que chef d'État, c'est un gage. C'est un bon investissement. Pour moi, c'est un bon investissement. Donc je n'y crois pas du tout à cette histoire. Dont je ne veux, peut-être qu'il a dit sérieusement, je ne veux pas qu'on, qu'on nous parle de cinquième mandat. Mais si, s'il sera en vie, ou si je ne sais pas, vous allez voir, M. Ouda, encore s'il sera encore lui, secrétaire général du FLN, il dira, maintenant, on va aller pour le cinquième mandat. Et je vais encore aller plus loin. Si il sera en vie encore, il pourra même partir pour un sixième mandat. C'est comme ça. Moi, je suis incroyable. Convaincu. Alors, l'Akhdara Mqran. L'Akhdara Mqran. Est-ce que l'Akhdara Mqran est avec nous? L'Akhdara Mqran? Oui. Je suis avec vous. Ah, vous n'êtes plus en Skype avec nous? Je suis en Skype. Ah, voilà. Très bien, là on vous entend. Alors, cette histoire d'Ould Abbas, donc, qui nous dit « Men'ant batten t'kelmo al cinquième mandat », on dirait qu'il s'est passé quelque chose. Il est possible, mais connaissant les fonctionnements des hommes du Sérail, on nous a habitués à pire. Hein. Le président va marcher dans 6 mois. Il a interdit plusieurs fois aux militants. Ce ne sont que des... j'allais dire, des balançantes pour faire semblant qu'il y a une certaine vie politique et qu'il maîtrise la situation. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on constate avec inquiétude la lente mais inexorable du pays vers une situation de trouble. Vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au mal-être social, il y a une certaine une exaspération populaire qui est à son comble. Le mouvement social n'est que la manifestation de cette exaspération. Donc, pour tout vous dire que l'échec du régime est total. Et nous sommes devant une situation, j'allais dire, dangereuse, aussi bien pour l'intégrité territoriale que la stabilité du pays de manière générale, ce qui fait que toutes ces manœuvres politiciennes auxquelles on nous a habitués à chaque veille d'élections, particulièrement les présidentielles, ne sont que des manœuvres pour, j'allais dire, polluer la scène et agir derrière le rideau pour préparer l'éventuelle succession ou le cinquième mandat, le sixième ou autre. Restez avec nous, nous allons donc passer au sujet suivant, les médecins résidents. Amira Bouraoui, où est-ce qu'ils en sont, les médecins résidents? Toujours en train de résister, de manifester, d'essayer de... En tout cas, ils se disent décidés et du côté des autorités ou du pouvoir ou du système, on ne voit rien venir de sérieux pour le moment. Ils sont plus que décidés. Vous savez, l'examen qui couronne plusieurs années de résidanat, de labeur, de travail à l'hôpital, d'examen chaque année, c'est-à-dire ce fameux DEMS, qu'ils ont boycotté, c'est-à-dire au détriment de leur carrière aussi, parce que ça entraîne du retard avant de commencer une vraie vie professionnelle. Si ces résidents-là sont allés jusqu'à boycotter le DEMS, c'est qu'ils sont décidés, qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et en face, malheureusement, c'est toujours, on agit ou par le mépris et l'arrogance, ou alors par l'indifférence. Il se trouve que le ministre de la Santé n'est pas en train d'anticiper ce qui va arriver, parce que c'est un effet boule de neige. Le DEMS n'a pas été passé, donc nous n'avons pas de spécialistes, la nouvelle fournée de cette année, à orienter vers les différents déserts médicaux qu'ils ont créés, parce qu'on répétera aussi jamais assez qu'ils n'ont pas construit d'université pour faire médecine dans le sud du pays, qu'ils n'ont pas construit de CHU, de centre hospital universitaire dans le sud du pays, et on accuse les médecins de ne pas y aller. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, il est allé à Cuba pour signer pétrole contre médecins.
et de mettre en avant cette coopération avec Cuba, qui existe effectivement depuis longtemps, mais aujourd'hui, en faire la publicité, le message subliminal, c'est que Mahbitoche, alors de Kunji Botobam el Kharj. Et c'est sérieux, ce genre de message? Toutes les façons, nous les médecins, si on veut, on ramène par milliers. Ils sont sérieux dans cette démarche? Vous pensez que c'est ça? Amira Bouraoui. Nous avons perdu Amira Bouraoui, nous allons essayer de la retrouver. Yassine Bahibahi. Alors, deux choses. D'abord, cette histoire de médecins cubains, qu'on rapporte par très, très nombreux, on nous dit. Et il y en a déjà en Algérie. Est-ce pour compenser ce manque de médecins qui partent, comme vous-même, par exemple? Ou est-ce juste une politique qui était déjà prévue avant ce mouvement des médecins résidents? Non, c'était une politique qui était déjà prévue. L'Algérie a importé un certain nombre de médecins cubains et chinois, il faut le rappeler quand même, qui travaillent en Algérie. Donc récemment, j'ai entendu un communiqué du ministre de la Santé en disant « c'est faux cette histoire, que je suis parti à Cuba, non pas pour ramener des médecins contre pétrole ». Donc il y a eu un démenti du ministère de la Santé. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Algérie, avant qu'il y ait cette affaire de médecins, a toujours ramené quelques médecins cubains et chinois, principalement, dans des zones désertifiées, on va dire. – On les envoie, en quelque sorte, à la place des médecins qui ne veulent pas faire du service civil, c'est si ça ?– Si vous voulez, oui, mais bon, il faut revenir d'abord au service civil et aux revendications des médecins. Oui. Et il faut revenir aussi à la première grève, la deuxième grève la plus importante des médecins résidents en 2004. Je ne sais pas si on se souvient, où il y avait, d'ailleurs, Jamal Ould Abbas, c'était lui le ministre de la Santé, et c'était lui qui négociait à l'époque avec les médecins résidents. La principale revendication à l'époque, ce n'était pas l'augmentation des salaires, c'était à l'époque le gouvernement refusait, enfin, le ministère de l'Enseignement supérieur refusait de donner le diplôme de spécialité aux médecins parce qu'ils savaient qu'ils allaient partir, en disant « vous pouvez exercer votre médecine spécialisée, mais je ne vous donne pas les diplômes de spécialité ». C'est le cas aujourd'hui, on refuse de leur donner, voilà. Mais c'est le Conseil de l'Ordre, curieusement. Le Conseil de l'Ordre, ça c'est la presse qui dit, le Conseil de l'Ordre n'a aucune habilité, aucun pouvoir. Mais il n'a pas démenti. La presse a repris tous les titres que le Conseil de l'Ordre a empêché de remettre cette attestation et une autre pièce qui est exigée en France, alors qu'il n'a pas démenti à aucun moment. Oui, mais je vous dis, moi je suis convaincu, le Conseil de l'Ordre n'a aucun pouvoir à délivrer quoi que ce soit comme attestation. Non, il n'a pas délivré, il a demandé à ce qu'on ne leur délivre pas. Mais quelle attestation? Une attestation d'assiduité. Deux pièces qui sont demandées dans le dossier français. Non, une attestation d'assiduité. Voilà, d'accord, exactement. Mais ce n'est pas le Conseil de l'Ordre qui le donne. L'attestation d'assiduité, c'est la faculté de médecine qui donne. Oui. Donc ce n'est pas le Conseil de l'Ordre. Et ce n'est pas qu'il ait refusé de la donner. Il a ordonné, il a demandé aux institutions de ne pas remettre. Ce n'est pas lui. Il a demandé à l'université et à je ne sais quoi de ne pas remettre ces deux documents. Mais il n'a pas le droit sur un plan légal. On sait qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Le Conseil de l'Ordre, on sait très bien, il vous donne l'autorisation d'exercer, c'est tout. Mais il n'a pas le droit. Donc on sait qu'il n'a pas le droit, mais il semble qu'il l'ait entrepris. Je ne sais pas. Mais il n'a pas démenti la presse. Il n'a pas dit « non, je n'ai pas dit ça, justement, je ne suis pas habilité ». Il ne l'a pas dit. On attend. En tout cas, moi, je reviens à cette histoire de médecins. Donc, comme je vous ai dit, la principale revendication en 2004, c'était que le gouvernement refusait de délivrer les diplômes de spécialité. C'est pour ça que les médecins résidents se sont mis à une grève et Ould Abbas a négocié à l'époque avec eux. Il y a eu une augmentation assez conséquente. Aujourd'hui, on parle de quoi? Les médecins résidents, pourquoi ils sont en grève? Ils parlent de service civil et des conditions de vie sociales surtout. Et sur ce point-là, le service civil, il faut que ce gouvernement sache, on ne peut pas obliger un médecin en disant « allez-y, vous devriez faire 2 ans ou 4 ans » en vous donnant un salaire de misère. Deuxièmement, moi je suis contre certaines grandes villes par exemple. Alors on vous dit par exemple, je prends un exemple pour expliquer un petit peu, un cardiologue, on lui dit, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre cabinet jusqu'à ce que vous fassiez votre service civil, par exemple, à Beni Abbès, d'un an.
Alors lui, il part à Beni Abbès, il fait son service civil d'un an à raison de deux jours par semaine, c'est tout ce qu'il travaille. Il ne travaille pas énormément. Au bout d'un an, il peut ouvrir son cabinet qui est à Oran, s'il est d'Oran. On se retrouve face à certaines villes d'Algérie où il y a une surpopulation médicale quand même. Vous savez, il y a dans certaines villes d'Algérie où il y a... Tout le monde veut y être. Un gynécologue, ouais. À côté un gynécologue, enfin, il y a une surpopulation. Oui, oui. Donc, on ne peut pas... Moi, je dirais, la solution pour pallier au manque des médecins, c'est de dire, vous voulez partir au sud, allez-y au sud, ouvrez votre cabinet au sud, travaillez au sud, mais vous n'aurez pas l'agrément dans votre ville d'origine, tout simplement. Et vous allez voir que si on applique ce système, comme en France d'ailleurs, en disant, moi, je suis prêt à partir dans le sud, mais je voudrais qu'on m'encourage. Qu'on me donne un bon salaire, qu'on me donne de bonnes conditions, qu'on m'exonère d'impôts. C'est ce qui se passe en France et malgré mais ça... Justement, moi je m'attendais à ce que vous me disiez qu'il est préférable de procéder par émulation plutôt que par contrainte. Ça veut dire au lieu d'interdire à quelqu'un d'ouvrir un cabinet dans sa ville d'origine ou dans la ville de son choix... Non mais c'est comme les pharmaciens. Il vaut mieux lui dire, il vaut mieux pour, c'est comme son attraque par exemple. Oui. Pour envoyer les gens travailler à son attraque, à Hassim Saoud, on leur dit vous allez toucher trois fois ce que vous touchez à Alger. Pourquoi ne pas dire au médecin, si vous allez à Beni Abbès, Illizi et Namenas, vous allez toucher trois fois ce que vous touchez à Alger. Oui, et là, vous allez voir qu'ils vont faire la chaîne pour y aller. Oui, mais vous faites la comparaison entre deux systèmes différents. La Solintra, qui est une société quand même qui fait rentrer beaucoup d'argent. Or, la santé en Algérie ne fait pas rentrer beaucoup d'argent. Non, mais l'argent que fait rentrer la Sonatrac, c'est le même argent qui finance la santé, qui finance l'éducation, qui finance toute l'Algérie. Il n'y a rien qui fasse rentrer de l'argent en Algérie si ce n'est Sonatrac. Bien sûr. De toutes les façons. Oui, mais la santé, encore une fois, est-ce que la santé, comme en France, ça fait rentrer de l'argent, je veux dire ça. Oui, mais pour envoyer... Vous savez combien ça coûte ici en France une nuit d'hospitalisation en maternité, par exemple, en France? Une nuit, ça coûte 1 200 euros en moyenne. Mais c'est remboursé totalement par la Sécu. Oui, mais c'est remboursé. Mais celui qui n'a pas la sécurité sociale. Oui, mais il n'y en a pas qui n'ont pas la sécurité. Il y a des gens qui viennent... Même les pauvres, les chômeurs, ils ont la sécurité. Oui, mais ça, c'est la sécurité sociale. Oui, c'est pour ça qu'on parle de trou de la sécurité sociale. Oui. Et encore, on a trouvé un modèle extraordinaire avec les mutuelles complémentaires. Absolument. Bon, mais ceci dit, en Algérie, on n'a pas ce système-là. Donc moi, je suis contre cette façon de dire aux médecins, moi, je vous oblige à aller dans telle ou telle ou telle région. Et pire encore, il y a eu des histoires de couples séparés. Ce n'est que cette fois-ci, comme il y a eu ce début de grève, où le ministre de la Santé il a dit, aujourd'hui, d'accord, la seule chose qu'on accepte, c'est le regroupement familial. Vous imaginez un on peu. On ne sépare plus les on couples. On ne sépare plus les couples. Mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie, quand même. Séparer les couples, disperser les enfants, voilà. C'est incroyable. Donc, voyez un petit peu la souffrance de ces jeunes médecins résidents. Un, la contrainte du service civil. Deux, les salaires à un médecin. Je vous interromps un moment. Regardez devant vous ce slogan des médecins résidents. Alors, je veux devenir médecin cubain, bien payé, bien logé, bien protégé. Combien sont payés les médecins cubains? On parle de, en euros, on parle de 3 000 euros, le chiffre, je ne sais pas, mais on entend parler d'entre 3 000... Alors qu'à Cuba, il touche exactement 75 dollars. Alors, à Cuba, il touche un salaire de misère, oui. Et ils sont obligés de travailler comme taxi drive, vous savez, les médecins cubains, oui, vous savez, l'histoire à Cuba, vous trouvez les taxieurs le soir, oui, ce sont des chirurgiens, des gynécologues. Comme tout le monde à Cuba, faire un deuxième, troisième boulot. Voilà, pour encaisser un peu de dollars. Pourquoi ils ne payent pas les médecins algériens comme les médecins cubains? Ça réglerait le problème. C'est ce qu'on est en train de dire. Oui. C'est ce qu'on est en train de dire. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours soutenu cette grève et j'ai toujours soutenu l'élite en Algérie. Nous avons un problème parmi tant d'autres en Algérie, l'échelle des valeurs. Oui. C'est-à-dire que ces intellectuels, que ce soit médecins, informaticiens, ingénieurs, ce sont des gens qui n'ont jamais eu la valeur, leur valeur dans cette société algérienne. Et c'est pour ça que tout le monde est parti, tout le monde souhaite partir en Algérie. Parce qu'un médecin aujourd'hui, vous lui donnez l'équivalent de 350 euros. Alors, on ne va pas aller loin. On va aller voir nos voisins au Maroc. Le médecin, mon confrère marocain au Maroc, un médecin généraliste, débute en début de carrière l'équivalent de 800 euros par mois. Au Maroc. Plus que le double du médecin algérien. Complètement. Oui. Le médecin spécialiste marocain, il commence avec l'équivalent de 1 100 euros par mois au Maroc.
le médecin. Alors, début de carrière, vous avez des médecins généralistes qui terminent leur carrière au Maroc avec 2000 euros par mois. 2000 euros par mois, c'est quelque chose. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est un pays qui a toujours respecté l'échelle des valeurs. En Algérie, le médecin spécialiste, il touche l'équivalent de 350 euros par mois. Moi, je voudrais bien savoir, est-ce que les banques ont aidé les médecins à acheter des appartements? Est-ce que ce système, cet État, il a aidé les médecins finalement à s'épanouir dans leur profession, dans leur vie il sociale? Il le fait pour personne? Pourquoi le ferait-il pour les médecins? Non, il le fait pour une autre catégorie de gens. Il le fait pour les siens. Voilà. Pour les membres du régime. Pour les gens qui sont... Voilà. En train de garder la combuse, voilà. Hein, si je peux dire. Exactement. Restez avec moi, Yassine, je vais revenir vers vous pour que vous essayiez de nous expliquer, après on va passer au sujet suivant, cette histoire de décret français qui inciterait, qui se voudrait une incitation aux médecins algériens de venir travailler en France et qui a fait vraiment beaucoup de clameurs. Je reviens à Dr. Lakhdar Amqran, vous êtes avec nous ? Lakhdar Amqran ? Alors, donc cette histoire de médecin cubain, d'après vous, ça a été fait un peu pour une sorte de représailles, une sorte d'avertissement, une sorte de menace contre les médecins algériens qui viennent aujourd'hui d'afficher un slogan « Je suis un médecin cubain, je veux être ceci, cela ». Je pleure mon Algérie, vous savez, je pleure nos jeunes résidents, comme nos jeunes de manière générale, ils sont pris en otage par une certaine, on va dire, cléptocratie qui est associée à une voyoucratie. C'est tout à fait normal. Au moment où le gouvernement suit le dialogue social, il jette un pavé dans la mare. Il importe, d'une certaine manière, en ironisant, une main médicale étrangère. Une autre manière de provoquer et en même temps de diluer la question essentielle qui touche au système de santé en Algérie. Il faut le dire et le redire que le système de santé en Algérie est un système désintégré, inefficace, inaccessible, régionaliste. On peut le traiter de tous les noms. Parce qu'arriver à l'état de la santé aujourd'hui dans notre pays, c'est dire les choses crûment, c'est que comme le système qui gouverne ce pays, le système de santé n'est que l'image de cela et ça se répercute néfastement malheureusement sur les praticiens et en même temps sur les malades et les Algériens de manière générale. Juste pour vous dire que, ayant suivi depuis plusieurs semaines la grève des médecins résidents, mes chers jeunes confrères, j'ai constaté chez eux, une forme de détermination pour ne pas, refaire les mêmes erreurs que leurs aînés à partir du moment où cette fois-ci, ils n'acceptent plus les mesurettes ou les demi-mesures concernant le statut de général du médecin résident, concernant les conditions de travail au niveau des structures de santé et concernant leur dignité. Parce que ce qui est en train de se faire est une atteinte à leur dignité à partir du moment où on fait comprendre aux Algériens que les médecins jeunes sont des matérialistes et qu'ils ne cherchent que leurs propres intérêts, une manière de discréditer l'élite parce que... Et restez avec nous, Lakhdar Amqran, je me permets de vous interrompre, pardon, parce que nous vraiment ne sommes pris par le temps. Je reviens vers vous, Yassine Mahibaye, avant de donner la parole à Amira Bouraoui sur le troisième thème. Je vous demanderai d'aller très vite, parce qu'on n'aura pas le temps de traiter du troisième sujet. Cette histoire de décret français, expliquez-nous en peu de mots, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le décret du ministère de la Santé français, il a été fait pour, si vous voulez, pour, en complément au décret de février 2017, où il a autorisé à travailler les professeurs d'université, les maîtres assistants de l'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats. Vous savez que ceux qui veulent se former, ceux qui sont venus se former en France, les médecins des pays du Golfe. Oui.
Eux, ils ont été touchés en 2017 par un décret leur autorisant à travailler, les autorisant à travailler et à s'inscrire dans ce qu'ils appellent une inscription provisoire au Conseil de l'Ordre français, le temps qu'ils terminent leur formation et qu'ils rentrent dans leur pays. Oui. Et ben, ça a été fait pareil. Donc le décret du 22 novembre 2017, il a été élargi pour les médecins maghrébins et africains en 10 ans. Mais alors les gens n'ont pas compris. Les gens, ils ont pensé que la France a ouvert les portes. Oui. Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. La France n'est pas là pour arranger les affaires de l'Algérie en Bien matière sûr. De médecine. Évidemment. La France est là pour arranger ses propres affaires. Ce qui importe à la France, c'est ses intérêts, et ce n'est pas les intérêts des Algériens ni des autres. Enfin, ni autres. Donc ce décret du 22 novembre, c'est pour les professeurs d'université en Algérie, les maîtres assistants, par exemple les spécialistes, et qui veulent se sous-spécialiser dans autre chose, enfin dans leur spécialité. Je prends un exemple, par exemple, on appelle ça un maître assistant en chirurgie digestive, par exemple, et qui veut se spécialiser en cancérologie. Oui. À l'époque, ce maître assistant ou ce professeur d'université, il ne pouvait pas avoir un statut, il pouvait avoir un statut d'interne ou de faisant fonction d'interne, même s'il est professeur dans son pays. D'accord. D'accord. Oui. Aujourd'hui, avec ce décret-là, non, on dit... vous êtes professeur, là on va vous aider à travailler, en même temps à vous former. Donc nous on va profiter de vous un peu, mais pendant 2 ans c'est tout. Pendant 2 ans, c'est un contrat, vous aurez une attestation de travail de 2 ans. Encore une fois, je répète, ce décret n'est pas fait pour les médecins algériens qui sont là-bas, il est fait pour ceux qui obtiennent une bourse de leur pays d'origine, qu'on appelle une convention entre l'Algérie et la France, pour permettre à ces gens-là de la post-graduation, pour venir se former et revenir dans leur pays d'origine. Et d'accord. Non pas pour s'installer. 2 ans seulement. C'est 2 ans renouvelables une fois. Ça veut dire que ça peut être 4 ans. Ça peut être 4 ans, mais qu'ils doivent revenir dans leur pays d'origine. C'est des autorisations de travail temporaires. Hier, le 2 février, il y a eu un nouveau décret pour information qui a été signé par Édouard Philippe, le Premier ministre. Ce nouveau décret, il consolide celui du 22 novembre. Par rapport aux internes, il y a ce qu'on appelle un concours d'internat pour les étrangers. Ce concours d'internat, vous êtes étranger hors Union européenne, vous passez le concours qui est assez dur. Ce concours d'internat, vous obtiendrez votre concours, vous devriez faire une spécialité, mais à la fin, vous n'avez pas le droit de travailler en France. Donc, vous revenez dans votre pays d'origine. Hier, ça a été un nouveau décret en disant, vous pouvez, ceux qui obtiennent le concours d'internat, peuvent... travailler en France. Mais il faut dire une chose, je parle de la presse, des réseaux sociaux, de nos confrères qui sont un petit peu dans la... Il faut arrêter de réagir dans l'émotion. Non, la France n'a pas ouvert les portes pour les médecins algériens. Oui. La France est en train de réfléchir... Elle veut peut-être trouver du tout-cuit, cueillir des médecins diplômés. Cueillir des médecins diplômés, comme je vous ai dit avec ce nouveau décret, les aider... Elle, c'est pour elle, profiter de leurs compétences, leur donner le temps de travailler. Mais surtout, une chose importante, ce décret d'hier, il parle jusqu'à 2021-2022. Pourquoi ? C'est-à-dire que les portes vont se fermer à partir de 2021-2022. Parce que la France va augmenter le numerus clausus. Il y a en France une pénurie de 5800 médecins quand même. Oui. Ça, c'est important. C'est D'accord. important. Oui. Et Macron... dans sa politique, en tout cas, avec Mme Agnès Buzyn, a dit que moi, la première chose que je ferai pour pallier justement à cette pénurie, c'est d'augmenter le numerus clausus. Vous savez ce que c'est le numerus clausus ? C'est ce taux de réussite au concours de première année de médecine. D'accord. Donc, permettre à un plus grand nombre d'accéder. D'accéder. Oui. Et c'est pour ça que beaucoup d'étudiants n'arrivent pas en France à réussir cette première année de médecine. C'est le numerus clausus. Donc c'est assez Macron. C'était un peu dans la qualité. Maintenant, pour avoir de la quantité, ils vont baisser un peu le. Donc d'ici là, nous allons aider, enfin nous allons faire venir quelques professeurs, quelques maîtres assistants pour faire leur sous-spécialité. Oui. Le temps que nous, on ouvre le numerus clausus. C'est très clair. Merci beaucoup. Et il nous reste 5 minutes. Amir Abouraoui, nous allons faire un tour de micro, parler des Harraga. Malheureusement, nous aurions voulu lui réserver la part la plus importante de l'émission. Ça n'a pas été le cas. Nous y reviendrons. Amir Abouraoui, sur les Harraga, environ 2 minutes.
Bah, écoutez, on a quand même parlé de, des haragas qu'on pousse pour aller étudier ailleurs. Les médecins aussi, on les pousse à être des haragas avec des papiers. Le reste n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation tellement délétère économiquement que l'Algérien a perdu espoir. C'est-à-dire que cette jeunesse, parce que la plupart des haragas, c'est des jeunes, on trouve aussi des femmes, des enfants, ce qui est très dangereux et condamnable de prendre des enfants avec soi qui ne savent pas nager. Mais les médias, au lieu d'analyser pourquoi ce phénomène, pourquoi les Algériens aujourd'hui prennent le risque de se jeter en mer et de fuir leur pays, qu'on nous décrit comme étant le pays le plus sécurisé du monde, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup investi pour la sécurité en Algérie, pourquoi fuit-il aujourd'hui? C'est-à-dire qu'à un moment, on nous a donné le choix et le simple choix entre la sécurité au détriment de la liberté. Merci. Et sans liberté, une société ne peut pas s'épanouir. C'est pour ça que ces gens fuient, parce qu'ils ne croient pas en un lendemain. Merci, Amira Bouraoui. L'Akhdara Mokran, sur les haragas, en deux minutes, s'il vous plaît. Sinon, que, comme je l'ai dit, c'est l'expression de l'échec total du régime. Vous savez, l'ère Bouteflika, les opérations de démoralisation généralisée de la société ont fait en sorte que, j'allais dire, d'enfanter la Hogra et la Harga qui ont terni les masses de l'Algérie, les masses des Shuhada, et malheureusement, on reste devant de cette situation, c'est-à-dire inhumaine, quoi dire. Sinon que Bouteflika, son équipe, son régime ont mené l'Algérie à cette dérive. Merci, l'Akhdara Mokran, Yassine Mahibahi. Bah écoutez, moi je pense que qui aurait cru un jour, en allant se promener dans les plages algériennes, vous avez trouvé un corps d'un Algérien, qui aurait cru qu'un jour un pêcheur allait pêcher des poissons avec un cadavre, un corps d'Algérien. Je crois que c'est très malheureux. Le haraga, c'est l'expression pour moi d'une espèce d'une dépression. Quand même, c'est des gens qui sont dans une dépression terrible. Encore une fois, ils vivent dans le désarroi. En même temps, je condamne certaines choses quand même. Emmener leurs enfants, etc. Ce sont des choses quand même qui ne sont pas acceptables. Mais moi, j'en veux encore une fois. Moi, j'en veux encore une fois à nos responsables, aux responsables, aux dirigeants algériens, de ne pas être à l'écoute et de ne pas être dans l'apaisement. Je pense que les Algériens ont besoin d'espoir. Et si aujourd'hui, personne ne veut rester en Algérie, si aujourd'hui, il y a un mal-être quand même, c'est qu'il y a une raison. Mais pourquoi l'Algérie est un pays qui n'est pas en guerre. C'est un pays très riche. C'est un pays où il y a beaucoup de jeunesse. C'est un très beau pays. Pourquoi autant de gens veulent quitter leur pays? Des gens diplômés, même des gens riches veulent quitter le pays. Parce que vous avez bien dit, c'est un pays où il y a beaucoup de jeunes, mais les jeunes, on ne leur a pas donné leur chance. On ne leur a pas donné leur chance de diriger. Il y a beaucoup d'injustice en Algérie. Il y a beaucoup de hagra en Algérie. Avant de parler de haraga, c'est ce que cette expression dit, le ministre des Affaires religieuses, avec certains, entre parenthèses, imams, et qui disent que le haraga haram, et le hagra dans tout ça. Oui. Mais haram, le hagra. Donc, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup de hagra. En Algérie, il y a beaucoup d'insécurité. Et je parle d'insécurité, pas dans le fait d'être dans l'insécurité urbaine, par exemple, il n'y a pas que ça. Mais vous n'êtes pas sûr de vous soigner dignement. Vous n'êtes pas sûr d'envoyer vos enfants dans une école comme avant en été, je veux dire. Donc il y a certaines choses qui ne sont pas claires. Les gens, ils sont très inquiets. Et puis le haraga, c'est généralement, c'est des gens qui sont encore plus dans cette forme de, comme je vous ai dit, de dépression, de déprime, et puis une forme aussi de suicide, parce que, de toute façon, rester ici... Alors bon, ils savent, dans la majorité, ils savent que c'est une aventure qui risque de s'arrêter. Merci. Mais ils y vont quand même. Merci Yassine Mahibahi, merci Amira Bouraoui, merci l'Akhdara Mokran. Merci à vous, chers amis.
d'avoir suivi cette émission. Je voulais juste vous dire que j'ai rencontré Harraga ici en Europe. Je leur ai parlé. Ce qui m'a étonné, c'est qu'ils ne sont pas dans des conditions très reluisantes. C'est très difficile, c'est très dur. En plus du fait de s'arracher à sa famille, à ce qu'on aime, à cette terre, à ce nid douillé où ils étaient, même s'ils n'étaient pas aussi douillés que ça. Mais quand vous leur parlez d'un retour éventuel, ils vous disent qu'il n'en est pas question. C'est dire combien cet arrachement, aussi douloureux a-t-il été, a été nécessaire pour eux. J'espère que le jour viendra où les Algériens seront heureux de rester chez eux, et encore mieux, pour ceux qui sont en dehors, de pouvoir retourner chez eux. Merci beaucoup. Prawal akher. Bislamo.